Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rocket League. Allons-y tout de suite, on est sur du jeu en ligne solo standard classé, jeu compétitif. Deux matchs ont été effectués dans l'épisode précédent pour aller rencontrer notre rang de cette saison. Deux défaites pour le moment. On va voir si cet épisode est légèrement, j'ai dit bien légèrement, plus qualitatif en termes de résultats, de score de match. Nous sommes avec Nanso et Whitefire contre BBHC, Tola, Homas, Teal et Ignace. Et il me dit, je défends, défends donc mon ami. Vas-y, défends ça. Énorme. Très bien joué. Il la reprend derrière, Whitefire, le feu blanc. Ça c'est bien. Ça va mettre un certain coup au moral de nos adversaires. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je veux dire, s'il commence à y avoir de la discorde et tout. On a vu qu'on pouvait gagner des bonbons de maïs qui permettent d'avoir des récompenses d'Halloween. C'est plutôt cool. Prends-le! Là, on fait avancer ça. Oh, le mec est arrivé. Il a atomisé la balle. Je suis extrêmement mal placé. Vas-y, prends-la. Énorme. Énorme. Donc pour le moment, on va être dans une phase de collecte des bonbons de maïs. Et puis on verra plus tard ce qu'on prendra. Oh, Whitefire. Whitefire qui est en feu, c'est le cas de lire. Premier de l'équipe. Une magnifique bannière. J'imagine que l'on gagne en étant hors de la saison précédente, un truc du genre. Ok. Oh, vraiment? Whitefire qui continue. Rien ne l'arrête. Il va nous carry. Allez, on essaie de faire un petit centre pour le carry. Énorme. Et il en a bien profité. Énorme. Bien joué. Parce que quand le carry fait peur, le carry boue. Incroyable. Whitefire qui est toujours présent quand on a besoin de lui. Quelqu'un est derrière moi? Oui. Vas-y mon gars. Est-ce que tu la suis? J'étais un petit peu lent, j'arrivais pas trop à visualiser où la balle allait partir. Oh! Oh oui! Oh! Wouh! Énorme! Oh. Oh. Bon, on a fait l'arrêt du match, hein. En toute honnêteté. On a fait 1000 fois l'arrêt du match. J'ai pas eu la balle, mais j'ai dégagé le mec qui voulait l'avoir. Hop. Oh là là, et autant je fais pas des trucs de fou, mais qu'est-ce que je gêne. Incroyable. Ouh. Incroyable. Sensationnel, j'ai servi à rien. J'ai accompagné. Oh non. Oh non, la balle, oh non. Ok, là, il la chope. J'ai voulu tenter un contre. Oh, ça passe ou ça casse, hein, c'est toujours un petit peu un pari, ces choses-là. Vas-y. Oh, oh là, oh, oh. Ha! Bien joué. Il l'a, il l'a. Je suis en mode Whitefire, où es-tu? Oh, le mec m'évite et tout. Incroyable. Quelqu'un est là. Quelqu'un est présent. Ah oui. Oh. Désolé, j'ai mis un coup sur la table. Mais... Incroyable. Ce but là, le truc de glace, est trop stylé. Ah oui, non mais ils se sont fait plaisir les gars. C'est énorme. Et ils sont vraiment fait plaisir sur les éléments de custom. Ça fait vraiment du bien à voir. Ça fait de la variété et tout. Ok. Moi, pendant que je faisais le guignol, les gens ont pu se positionner. Oh!
Oh, j'aurais jamais dû tourner par là. Je me doutais pas qu'il ferait ça. Ah! Oh, merci mon gars! Merci de tout mon cœur! Je pense que j'étais sur la courbe de la balle, mais j'étais vraiment pas sûr, hein, pour le coup, et j'étais d'une lenteur. M'a sauvé, hein, clairement. Oula, 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 le double rebond, hein, comment tu l'imagines celui-là, franchement? En toute honnêteté, comment tu peux prévoir un truc pareil? Il y a encore une minute à tenir. Non! Ah, oh, j'ai loupé le monde entier. Eux aussi, heureusement. J'ai loupé le monde entier. Ouh là là, beaucoup trop de tension dans ce jeu. Non! Oh, merci mon cas. Ça fait deux fois que je suis en mode, j'arriverai jamais à l'arrêter. Je me suis complètement atomisé le doigt sur mon joystick. Et que Jnansao est présent pour assurer les bacs. Bien joué. Ok. On la remet juste pour conserver la pression. Ok. Perdant célérité. Fais en sorte qu'ils aient pas de momentum. Là, il faut qu'elle touche le sol. Énorme! Wouh! 7-1 victoire! Avec les flammes, je sais plus le mot. Rétro. 3 bonbons. Des sushis, vraiment. Vraiment. Et on joue avec du gold 1, gold 2. Ah oui. Ah oui! Je suis en train de me dire, ouais, le niveau des gens autour de nous, il est quand même pas dégueu. Et en effet, en effet, je pense qu'on joue avec des gens un peu trop forts pour moi. Mais hey, on va s'en sortir. Deuxième match de l'épisode. Dans Farmstead. Oh, vraiment? Cette arène est trop bien, je la connaissais pas du tout. C'est-à-dire, il y a des poules. Il y a des bruits de poules. Par contre, quand tu joues sur une arène que tu connais pas, c'est toujours un peu spécial au niveau des lumières et autres, faut le temps de s'y habituer. Donc autant d'habitude on est un peu naze, autant là on marque des buts. La musique! Je vous ai mis le son un petit peu plus fort qu'à l'épisode précédent, je sais pas si c'est assez. Il est pour toi, je l'ai. Mais la musique! Faut qu'on remarque des buts. La musique est énorme. Allez. C'est pour les potes, ça. Mais oui, mais voilà, mais pas du tout. La touche pas, mon gars. C'est embêtant, cette histoire. Hop. Ah, c'est bien, il a repris. Ready to tap. Ready to tap. Qui marque. Bien joué. La musique. Ah, il y a des petits oiseaux et tout. Incroyable. Il y a l'arbre là-bas. J'ai pas envie de jouer là, j'ai envie de regarder le décor. Faut que je fasse mon devoir. Mon Call of Duty. J'ai été beaucoup trop fort. Ah, oh, et je loupe. Ça, j'aurais pu le mettre. Je suis pas encore très très à l'aise, malheureusement. Oh, oh, c'était carrément une passe en retrait. Bon, quand le mec s'excuse derrière, tu te dis, bon, c'est peut-être pas si calculé que ça. Mettons-nous un peu en retrait. Regardons un peu le décor. C'est très beau. Incroyable. Ah, pendant que les gens jouent au jeu et marquent des buts. Incroyable.
Ah, mais cette musique, incroyable. Et la même bannière que nous, Dim Jones, avec son avatar de Bread. Mais on parle pas du pan. Oula. Moment où la balle part dans un endroit que tu t'y attends pas trop. Oula. Et tu finis en haut là. Ok, on en a dribblé deux. Bon, dribble le troisième, mon gars. Ok, on a tous loupé. Il y a eu un petit problème serveur, je pense, aussi. Parce que là, il y a eu des... La balle qui a fait des trucs un peu chelous. Hop. Ouais, c'est pas un vrai centre. Pour le coup. Oh, bien joué, ça. Dimyound. Qui est présent. J'étais à bonne hauteur, mais j'étais pas sur le... Oh! Les ballons! Les ballons! Ah, oh, c'est trop bien. Ah, oh, c'est énorme. Hop. Oh, il l'arrête. Mais qu'est-ce qu'il est doué. Incroyable. Non, je voulais pas toucher. Pourquoi j'ai fait ça? Oh, énorme. Oh. Ah, c'était proche. Ça se reprend. Allez, tu me la centres. Allez, gamin. Oh, énorme. Je m'attendais pas à ce que ça passe. En fait. Je suis vraiment désolé. Vraiment confus. Oh, énorme. Mais ils se font dribbler. Mais Dimyound. Bon, ce centre-là, par contre. Je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais bon. Mais bon. Alors qu'on est quand même contre JB officiel, hein. C'est pas n'importe lequel. C'est le JB. Bien joué, ça. Compliqué. Compliqué de la lui reprendre. JBO. Ah non, JB officiel. 11. Le 11e JB officiellement, en tout cas. Il peut y en avoir d'autres qui se battent dans la nature. Mais ils sont pas réglementaires, hein, attention. Waouh. Des feintes et tout. Je sais pas trop ce que je faisais. J'étais pris dans une espèce de transe de nullité. Alors attention, on n'a pas tant d'avance que ça. Wouah! Énorme. On n'a pas d'arrière non plus. Oh, c'est dangereux. Voiture, balle ou ce que vous voulez, hein. Faut que ça avance. Incroyable. Alors, qui a dit que la brutalité ne résolvait rien? Ah. Bon, c'est bien, on a repris de l'avance. Alors que l'issue du match est de plus en plus proche. Jouer un petit peu à l'arrière pour le moment. Histoire de prendre ces balles-là de tempo. Ça s'est pas du tout bien passé. Je crois que j'ai tapé dans la balle et ensuite sur un de mes acolytes. C'est bon, c'est bon. Plus de stress. On est bien. On peut y aller. All-in. Go! Énorme. Bien joué. J'ai adoré ma participation. Moi, je suis caméraman hein, pour l'équipe. Dimyound qui est présent. Bien présent, hein. 3 tirs, 2 buts, une passe décisive. Sensationnel. Et c'est gagnant par forfait. Waouh! 2 victoires dans cet épisode. Woo! Contrairement à l'épisode d'avant. Waouh! Wow. Jolie équipe.
Je me suis toujours senti un petit peu léopard. Arrêtez, on joue avec des étoiles là? On joue avec des platines? Qu'est-ce qui se passe avec... Monsieur Matchmaking, qu'est-ce qui se passe? On joue avec des platines. Je suis pas platine moi, je suis gold si vous voulez. Gold 1, silver 3, pas platine. Obtenir des récompenses. On en est à 25. Alors les antennes et les têtes, bon. Je veux d'abord acheter lui, ce qui est vraiment très drôle. Merci. Tout ça c'est cool. Après à voir combien on aura. Décrypteur ou caisse, ça peut être cool aussi. À voir. Je vais garder mes ailes pour le moment parce que je les aime bien. Et à l'occasion, ça fera un tag qui est plutôt cool. Choisir une bannière. Léopard. Je suis complètement léopard. Comment ça, il y a un truc, attention. Modifier la couleur de la bannière. Ah, vraiment? Ah oui! Ah oui, d'accord, on peut custo, quoi. Super cool. Attendez, on va mettre ça. Le léopard violet. Léopard rose. Léopard violet, tiens, c'est très bien. Et ça, c'est quoi? Expert ou rien? D'accord. Pourquoi ils continuent de me mettre le panneau en mode fais attention? Je sais pas trop. Organiser l'inventaire. Octane bolide. Qu'est-ce que c'est que ça? Sticker, rare. D'accord. Beaucoup de choses. Hein. Je comprends pas tout. Mais si vous voulez. Oui, bah, mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode de Rocket League vous a plu. On se retrouve pour. La suite de ces incroyables aventures motorisées, dès que possible, et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Bye!